Je suis en train de parler de ceux qui bavardent là. Les gens, nous tous, on est orphelins ou bien de père ou de mère, ou nous tous même, on est là. Richard Kwame, sois salué. Ou nous tous, on est en train de pleurer, on ne sait même pas où aller. Si vous êtes stressé là, que la guêpe fait une vidéo, ça ne vous plaît pas, la parler de la guêpe. La personne qui a touché mon leader là, il a te fait ça bien même. Vous qui êtes étourdi et puis vous ne savez pas de quoi vous parlez là sur Facebook là, ou bien vous êtes en train de chercher des vues, ou bien Ibrahim Aïcha, Dieu m'a dit, sois salué. Et puis vous êtes étourdi, vous ne savez pas. Non, je ne les réponds pas parce qu'ils n'en valent même pas la peine. Je n'ai pas envie de répondre à quelqu'un. Mais je dis, ils n'ont qu'à parler doucement. Ils n'ont qu'à parler doucement. Oh, doucement. Oh, pardon. Ne m'appelez pas pour dire laisse tomber Clémentine Koffi. Soyez salués. Yann Afua. Depuis, je vais bien. J'ai dit, si votre problème de vue là, est en train de vous pousser à parler. Moi là, je ne casse pas papa. Moi, je dis ce qu'il y a. Voilà. Quand la gattouzo est là, là, ce que vous ne pouvez pas gâter là, moi je vais venir gâter. Viens, on va arranger là, je ne connais pas. Viens, on va gâter là. Si vous voulez qu'entre nous là, on s'étale pour oublier l'affaire d'Alassane Ouattara là. Oh, mais dites-moi, est gâté. On va mélanger en même temps. Quand on vient nouvellement sur Facebook, il faut s'attaquer aux soroïstes pour pouvoir avoir des vues. Mais je vais vous donner vue. Voilà. Si la guerre fait quelque chose, ça ne tient qu'à elle. Ce n'est pas Soro, hein. Voilà. Soro ne nous envoie pas quelque part. Chacun est majeur et puis il vient ici. Il parle de ce qu'il a parlé. Oui, la plus belle, Natou, Djampa, soit saluée. Raymond, à moi, qu'on soit salué. Donc, si vous voulez, non, là, je vais vous aider. Je vais vous aider. Vous pouvez parler, mais parler doucement, oh, faut pas que ça va arriver dans Poussoro. Vos postes bidon, bidon, vous faites là. Il faut bien voir, il n'y a pas à faire de dire, on est amis ou bien quoi. Si tu as touché, je ne touche pas à ton leader, tu as touché à mon leader là. Il te fait ça bien. Voilà. Il te fait ça bien. Si Elonor Kwame Azaé, il faut venir. Doum de Hanover, sois salué. Il faut dire Elonor Kwame, voilà. Marie-Thérèse Pichéry. Kwame, sois salué, jolie femme. Anode, Valérie, sois salué. Si vous avez plus de sujets, taisez-vous. Voilà. Si vous avez plus de sujets là, Yao Achille Onzo, sois salué. Taisez-vous. Parce que moi là, je suis pas dans caresser quelqu'un dans le bon sens du poil. Je ne suis pas prêt pour ça, moi prêt au lade. J'ai ce que vous avez caché pendant des années, cher frère de la Yoro Gang. Chers frères de la Yoro Gang, j'ai ce que vous avez caché pendant des années. Ce ne sont pas mes lolos, mais j'ai ce que vous avez caché pendant des années. Et c'est là-bas, dans ce truc-là, qu'on voit les vrais chanteurs. Qu'on voit qui était à la Yoro Gang, qui n'était pas à la Yoro Gang. C'est quoi la Yoro Gang? Qu'est-ce qui était la Yoro Gang? La Yoro Gang, c'était un état d'esprit. Mais les gens sont venus avec un esprit de sorcier pour tout gâter. Écoutez cette chanson-là. Enfin, on ne doit pas jouer parce que normalement, Universal devait produire la chanson. Universal devait sortir la chanson. Mais sans le consentement des artistes qui ont participé sur cette chanson-là, c'était pas possible. Donc, ils ont peut-être lâché tomber. Comme ils ont dit que le contrat de Yoro est fini à Universal. Moi, j'ai joué cette chanson-là. Il y a voir ceux qui vont m'envoyer des convocations. Si ce n'est pas ma voix qui est dans cette chanson-là, on va bien voir. C'est la chanson de la Yoro Gang. Bon, ça, c'est une chanson. Vecchololas et Arafat featuring Vecchololas. Vous allez écouter Yoro Gang. Chanson de Yoro Gang. Donc, partagez le direct pour vous. C'est pour vous dire que nous, on était là-bas avant ceux qui font la grande gueule, là. On était là-bas, ils n'étaient pas là, on ne les connaît pas. Ils ont caché le son, ils découvrent le son. Et ils ont caché ça, moi, ils découvrent. Universal voulait sortir le son. Moi, je ne sais pas comment ça se passe, mais il y a chanté, il y a ma voix dessus. Donc, ces sons-là vont apparaître sur mon album. Pardon. Les sons-là vont apparaître sur mon album. Ça va sortir sur mon album. Parce qu'il a participé. Ouais. Voilà, donc ça va sortir sur mon album. Donc, écoutez, Clash Gang, je suis en train de faire famille. Revenez!
Revenons, on va travailler, on va continuer ce qu'il y a Arafat dans l'essai là, on continue ça. Il y a le vrai mouvement derrière. Revenez. C'est pas des clashs. Yvan Trésor, il te clash pas. Il essaie de te piquer, il essaie de te biper, c'est des bips. Il y a des bips pour que tu puisses savoir que non, Arafat t'a fait, il t'a montré aux Ivoiriens. Donc il faut te lever aussi. Et puis on fait le mouvement ensemble, on va évoluer. Il y a trop de choses derrière, champion. Il y a trop de choses derrière. Je ne suis pas contre quelqu'un, moi, il n'y a rien à foutre. Je ne sais pas pourquoi si on vit ensemble, on a les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. Mmh. Mais il y a un mouvement que nos morons nous a laissé. Vous, vous avez marché avec lui. Vous avez marché avec lui. Nous, on a travaillé avec lui. Donc, ce qu'on a travaillé là, voilà les trucs, les œufs qui sont là. Les gens avaient caché ça, mais moi, il y a deux crous. Il y a cet esprit, il y a ces dégâts. Dans mes tic-tac aujourd'hui, dans mes balades, il y a deux crous, les morceaux. Poum, c'est moi. Vous cachez, vous créez un mythe autour de ça pour créer, pour avoir l'argent. Et cette chanson-là, vous voulez avoir l'argent. Du genre, non, on doit nous payer les sommes, on doit nous donner l'argent, on doit faire ça. Il y a d'autres qui ont dit non, quand ça va sortir, on va couper telle partie, on va donner aux enfants d'Arafat. Seigneur. Moi, il y a des chansons là. Il y a joué, les gens vont écouter ça sur Facebook. Il y a joué pour dire que moi, je suis prêt. Et puis, il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme qui a de me faire quelque chose parce qu'il y a ma voix, il y a participé. Donc je peux jouer comme je veux. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais jouer. Non, allez, le code m'a envoyé un message pour dire il y a peur. Tu as peur de décrocher. Pourquoi tu décroches? Si je décroche mon téléphone, allez, le code. Tu vas sortir du téléphone pour me frapper. Non, c'est pas possible. Je t'ai pas dit que tu me moins, je t'ai jamais dit ça. Je t'ai pas dit que tu peux me frapper. Mais je suis pas en train de faire la bagarre. C'est pas de la bagarre, mais je suis en train de vous expliquer un truc. Le mouvement, la Arafat a laissé, ça doit pas mourir comme ça. Voilà, bonjour les Chambiga, bonjour les Porchada, bonjour tous la famille. Voilà, vous voyez ces deux messieurs là. Ces deux messieurs là. Voilà ce qu'ils viennent de me faire. Voilà, ils ont payé montre pour me donner. Ils ont payé montre. Donc, vous n'avez qu'à m'aider pour les dire merci. Ils ont fait cotisation, cotiser pour payer ça. Voilà. M. Derek avec M. Kilin. Ils sont payés montre. Mes données. les agents de l'école, ils ont cotisé pour payer montre. Voilà. M. Derek, M. Kili. Et puis voilà M. Derek. M. les montres. Forcément c'est mignon les enfants qui payent pour faire cadeau à papa là, c'est bon. Donc, ils sont payés, montre là, ils sont payés ça à 2000. aïe les amis, pour voir que Dieu vous donne des enfants comme ça qui pensent avec vous, qui sont fidèles et honnêtes dans les petites choses. Ils ont cotisé 2000 francs pour payer montre. Voilà ça, ils m'ont fait la surprise, tout est là, sur tout est à l'école. Et dit qu'ils ont cotisé pour le payer, montre les deux, 1000 francs. Qui lui a donné combien? Derek aussi. Derek a donné 1000 francs, qui lui a donné 1000 francs? Voilà, donc voilà. Ils ont payé, montre. aïe, vraiment, ça me fait quelque chose. Adjumani. Qui danse? C'est quel chien qui danse à Adjumani? C'est le chien noir. C'est le chien noir. Vas-y. Il faut le faire danser à Adjumani. Aujourd'hui là, mes DS là, vous m'écrivez que les gens ils sont là m'insulter. Ces gens là. Quand je suis chez moi là, je dis Dieu, protège ces gens. Dieu, touche le cœur de ces gens. Dieu, pourquoi moi aujourd'hui? Dieu, pourquoi ces gens s'en prennent à moi aujourd'hui? Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à ce point-là? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait à ces gens? Parce que j'ai décidé de changer. Parce que j'ai décidé que je ne veux plus faire clash. Parce que je suis partie à Dubaï. Mais mon Dieu, tu m'as donné beaucoup d'opportunités.
Tu m'as donné beaucoup d'opportunités que je suis allée aux États-Unis, je suis allée, j'ai fait plusieurs voyages. Pourquoi? J'ai dit, mon Dieu, c'est le chômage qui amène tout ça. Pardonne-les, parce que moi, je ne suis pas fâchée contre ces gens. Mais ces gens, mon Dieu, je ne peux plus jamais avoir affaire à eux. Jusqu'à quand je vais mourir. Aujourd'hui, tous ces gens qui viennent m'insulter sur ma page, c'est le game de Facebook, c'est normal. Parce que je suis une star. Je m'appelle DS Collection. Les gens me disent aujourd'hui, j'attends les gens parler, ça c'est quelle star, tu n'as rien apporté. Ma chérie, mon frère, j'ai rapporté à la Côte d'Ivoire. Tout ce que j'ai fait là. Si ce n'était pas les propriétaires qui viennent vous parler que non, DS loue les maisons de 600 à 700 000. Vous ne savez pas ça. Je ne vous ai jamais dit ça dans ma vie. C'est pour vous dire qu'il y en a encore plus grave. Il y en a encore des trucs plus graves, plus bonheur. Les trucs bonheur. Le jour que je vais vous dire qui je suis vraiment, je vous jure, quand je suis là, parce que vous allez mettre tapis rouge pour que je passe. J'ai souffert dans ma vie. J'ai souffert dans ma vie. Avec ma mère, par son âme. Aujourd'hui, là. Mais si je trouve de l'eau pour boire, là. Je dis Dieu merci. Même quand je mange, là. Je dis Dieu merci. Personne ne peut m'enlever ça. Personne ne peut m'enlever ça. Personne ne peut m'enlever sur les réseaux sociaux. Sauf Dieu seul. Réseaux sociaux là, si vous pensez que je gagne quelque chose dans les réseaux sociaux, si vous pensez que parce que je m'appelle DS Collection, que aujourd'hui là, quand si je vais insulter un président là, que le président va me laisser partir parce que je m'appelle DS Collection. Vous, si vous pensez à ça là, parce que moi-même, quand je me présente vers les gens là, je m'appelle Sarah. Je m'appelle Diaby Sarah. Aujourd'hui, vous avez chargé à faire des loyers là. Vous avez chargé en deux personnes. N'a jamais pris crédit. J'ai crédit. Même ma maison où je dors ici là. J'ai pris crédit à la banque. J'ai payé ici à 400 000 euros. J'ai payé 200 et j'ai pris crédit à la banque pour terminer ce crédit là. Même la Côte d'Ivoire a crédit. Même vous dormez en Côte d'Ivoire là. Vous êtes sur crédit. La France, là, vous a donné des crédits. Mais vous avez oublié quelque chose. Vous, les détectives Colombo. Partez-vous aussi à la MACA. Peut-être j'ai un dossier là-bas. Partez-vous aussi chez le président. Peut-être j'ai un dossier là-bas. C'est pour vous dire. Je ne viens pas pour répondre à personne. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi de quitter dans Clash. Parce que j'ai fait ça pendant 4 ans, ben je ne sais pas. Je peux dire aujourd'hui là, tous ces blogueurs, tous ces blogueurs, tu sais, tous la toile. Je suis vos vieilles mères. Je connais c'est quoi Clash. Quand je dis je ne parle pas, ça ne veut pas dire j'ai peur. Non, je n'ai pas peur de quelqu'un. Parce que je me connais. Si je commence là, je ne vais pas t'aimer. Si je commence là, ça va être grave. Aujourd'hui, je viens m'adresser d'abord à la Côte d'Ivoire, à mes frères ivoiriens, à mes soeurs ivoiriens. Moi, DS, là, je n'ai pas tué quelqu'un. Moi, DS, là, je ne suis pas criminel. Moi, DS, là, je n'ai pas pris mari de quelqu'un. Moi, DS, là, je ne suis pas venu, genre comme les blancs, ils vont me dire, non, DS, oh, aux États-Unis, là, si tu es là, il y a FBI qui est derrière toi. Vous me traitez sur les réseaux sociaux, genre comme, je suis une criminelle. Vous, tu me regardez ici, là. Vous, tu me regardez ici, là. Qui va me dire que la personne n'a pas crédit? Vous, tu me regardez ici. Et puis, quel bon crédit, même. Quel bon crédit.
Donc c'est pour vous dire, ne me jugez pas. Vous ne me connaissez pas. Moi, quand je suis chez moi, je dis, mon Dieu, tous ceux qui me jugent là, pardonne-les. Car ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils... J'ai dit, pardonne-les. Aujourd'hui, la personne qui se réveille, tu ne parles pas français, tu ne payes pas crédit, tu ne parles pas français, nanani, nanana, tatati, tatata, c'est pas grave. Mais moi, j'ai décidé, moi, DS est décidé, je ne vous réponds pas. Le fait, vous ne parlez pas trop de fatigue, vous parlez, tu sais, maintenant, quand tu parles beaucoup, on dit, tu es fou. Donc, faut pas trop parler, les enfants vont profiter encore de ça pour te manquer de respect. Ok. Bon. On dit que c'est la nouvelle Eurogang. C'est pas compliqué, hein? C'est pas compliqué. Tu veux venir, tu viens. Tu veux pas venir, tu laisses. C'est pas compliqué. J'ai rien contre mes amis. Allez, ton chapeau va te voir. Je suis venu voir le vieux Vecholola. C'est un vieux. Lui, là, qui me disait, hé, il n'aime pas quand tu marches, quand tu chantes comme ça. Hé, j'avais 10 ans. Donc, je ne suis pas votre ami. Je suis venu voir mon vieux tranquillement parce qu'il a de bons projets. Il a de super projets. Mon vieux, Tiesco le Sultan, qui est de l'autre côté, soutient le mouvement en tant que musique rebelle. Et Apoutchou National. Apoutchou est là. Hé, Apoutchou. On l'a repéré. Notre Apoutchou. Apoutchou. Voilà, voilà le mouvement. On est là, je suis venu voir le vieux, c'est la nouvelle Eurogang. C'est pas compliqué, on n'a pas forcé quelqu'un. Okay. Tu veux, tu viens, tu veux, tu viens pas. Pas trop. Okay. Bon, il parle. Dames et messieurs, on vous. C'est pas. Un cas, j'aime pas ça, une plus. Les uns premiers. Tu parles en baoulé. Ah, c'est guérir d'une manière baoulée. C'est que sur les uns premiers. La nouvelle génération de la Eurogang, c'est le bara. Ici, là, nous, on n'est pas venu pour insulter quelqu'un. Nous, on travaille. Non, on demande aux gens de venir. Voilà. On continue Eurogang. Venons travailler. On veut pas l'argent. Quand les bébés parlent, il y en a mon chapeau. Et ici, là, je suis un enfant. Hein. C'est les gens qui me faisaient les trucs quand j'avais 10 ans. Donc, c'est pas la même chose. J'enlève mon chapeau. Hein. Beaucoup de respect pour vous parler. C'est pas compliqué. Quand il y a quelqu'un qui a des couilles, vous connaissez des couilles. Un garçon. Des couilles. C'est des couilles. Vous voyez des couilles quand quelqu'un a des couilles. De couilles sur Facebook, non, là. Le vieux, c'est des couilles. Voilà, c'est juste des couilles. C'est pas méchant. Hein? Quand quelqu'un a des couilles comme ça pour porter le coupé décalé, faut respecter ça. Et puis, faut venir, mon vieux Daishika a toujours voulu l'union. Donc, soyons unis derrière ce monsieur-là qui a des couilles. Voilà. Lui au moins. Il va pas laisser quelqu'un venir se foutre de nous. Vous êtes bêtes ou bien. C'est de ça il s'agit. Donc, le père Vecholulas, moi, le dieu de la guerre, c'est El Kana, God of War, métaphysique, je suis pas ton nouveau enfant. Il y a longtemps, depuis 10 ans ici dans ta main. Depuis tes pépérous. Voilà. Donc, moi, je suis là. Maintenant, celui qui dit il veut pas là. Si vous voulez aller dans faire des vidéos là, on passe en temps. Nous, mais connaissez non. Ok. Laissons à faire des vidéos là, tu es pas venu, tu restes dans ton coin. Moi, il y a un truc à te dire devant la population. Okay. Là, nous sommes devant la Côte d'Ivoire. Parle, papa. Voilà, c'est vrai que chacun de nous a fait des vidéos, chacun dans son coin, chacun a fait des vidéos. Mais aujourd'hui, présente tes excuses aux gens ici, à ceux que tu as essayé de blesser. C'est pas obligatoire. Hein. Non. Mais étant un vieux moro, étant quelqu'un qui veut construire un grand truc pour qu'on soit à l'aise, pour qu'on soit bien, ici là, tu n'as qu'à demander tes excuses à la population ivoirienne, devant la nation ivoirienne, demande excuse au papa, au grand frère Mola ici. C'est ce que j'ai vu de toi. Ok. Et il faut que ces excuses soient sincères et que les Ivoiriens vont partager cette vidéo-là pour dire que non, le petit frère a demandé ses excuses, a demandé pardon. Parce que, bon, écoute-moi, un pirate ne l'est pas trop. Non, c'est pas sur les piraterie. Mais là, parce que où ça vient là, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Écoute, c'est un nouveau départ. Et notre truc qu'on attend de faire aujourd'hui, là, les gens vont se moquer de ça maintenant, mais demain, ils ne pourront plus se moquer de ça. Parce qu'on va aller jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, là, c'est le moment de demander pardon à tous ceux que tu as blessés.
à tous ceux que tu as offensé sans t'en rendre compte. Ça arrive. Il y a le moment qui arrive, tu peux blesser quelqu'un sans savoir que tu as blessé cette personne. Mais moi, je suis le grand frère. Donc le grand frère Mola, moi-même, il est bombardé un jour, mais il demande mes excuses. Donc toi, profite quand même quand il se direct sur mon mur ici, là, pour te demander pardon à tous ceux que tu as blessé. C'est vrai qu'Ivan Trésor et les choses, a eu le coup de ne pas compris mon message. C'était une manière de le toucher un peu pour réagir, mais ça ne réagit pas. C'est pour dire qu'ils n'ont jamais aimé la Yorogang, mais ils ont aimé le leader de la Yorogang. Ouais, c'est pas faux. D'une autre façon. Ouais, ils ont aimé le leader de la Yorogang. C'était leur camarade simple. Ils n'ont pas aimé sa musique. Ouais. Voilà pourquoi ils veulent que sa musique. Mais sinon, moi, Vétur Lass, j'ai travaillé à la personne. Yeah. Et grâce à cette personne, il y a eu un prix. J'ai eu. En tout cas, ma carrière était déjà finie, mais ce gars-là a remonté.